Bonjour à tous. Oh, vous êtes tellement timides. Bonjour à tous. Ah, ça va déjà nettement mieux. Donc bienvenue au défilé cosplay organisé par la plus grosse fouteuse de mer de toute l'histoire, moi. Et mon assistant danseur, Défroule. Donc moi, vous allez monter et danser pendant que je parle, comme ça les distrait. L'argent c'est après, on avait dit que c'était après. Donc, nous avons 40 passages au défilé cosplay. Regardez bien par là, c'est le plus important. J'espère que vous allez pouvoir les applaudir à chaque fois avec tout votre amour. Montrez-moi votre amour. Tu ne les distrais pas assez, ils m'écoutent toujours, c'est pas bien, c'est pas bien, tu fais n'importe quoi. Pas encore assez. Donc, on va faire ça en plusieurs parties. De un, je vais tenter de lire les noms que j'ai écrits moi à la main avec mon écriture. Je n'ai pas de mots corrects pour dire que c'est autre chose que dégueu. Je vais écorcher... Ah, des hiéroglyphes. Très bien. Je vais tenter de ne pas écorcher leur nom. Si je le fais, je vais mourir. Voilà. Quand on aura absolument fait passer tout le monde, on va faire une méga photo de groupe. Donc attention, ceux qui sont très très près, on va peut-être devoir reculer d'un petit peu à ce moment-là. On remet les 2-3 petits prix que j'ai préparés, qui sont des petits kits de couture. Comme ça, ils ont beaucoup plus de boulot à la maison. Et faites bien attention de me laisser un passage. N'est-ce pas, Quentin, qui est au milieu du passage? Voilà. Ouais, ouais, bouh! Voilà, c'est impeccable. Et après, on sera tout bon et ce sera parfait parce que j'aurais trop géré ma race. Mais surtout, voilà. Ah c'est bon, j'ai perdu des cosplayers au passage, donc on est là, faut les retrouver, c'est pas évident. Donc, on va tout de suite... On recommence. Bonjour à tous. Voilà. Mon premier passage, est-ce qu'il y a la musique de fond? Voilà, j'ai ma musique de fond. Voilà. Donc le premier passage, c'est Amy Angel qui interprète la chasseresse de Dead by the Daylight. Nous avons K qui interprète Morgan Macmillan en steampunk. Nous avons Audrey en Elfette Archer Maudite. Et on applaudit bien fort. On comprend maintenant le maudite. On va accueillir un groupe qui sont un peu mes petits chouchous, je ne vois absolument pas pourquoi. Nous avons Petite Océlo en Théo, Be Happy en Chine, l'équipe Aventure, et j'ai Edwin en Mani. Nous avons Majorax en Star-Lord des Gardiens de Galaxie. Quentin. On l'a pas dit encore. Nous avons Temporel Cosplay qui fait El Presidente. De Hotline Miami. Nous trouvons les petits mieux. J'arriverai pas à le dire, tant pis, donc c'est Pinkie Pie de My Little Pony.
Anna, chasseuse de Dead by the Daylight. Ah, alors là, c'est un peu le challenge. Je vais tenter de ne pas l'écorcher. Donc, c'est Sima qui interprète Béatrice de Yumi Uneko no Naku Kowani. C'est valide, c'est valide. Oh yes, j'ai réussi. On fait une petite interview des poules. Allez, tu danses. Ah bah oui, ah bah, tu crois pas. Il va faire quelque chose d'exceptionnel. Là, maintenant. Voilà. Des poules. Je crois qu'il y a la jolie madame qui a besoin d'aide. Donc nous avons Alice en cosplay qui interprète Mr. Jack de l'étrange Joël de Monsieur Jack version No Flotteur. Dark Revan de Star Wars. Nous avons Deadpool qui aide à avancer Geek & Pix en Sakura chasseuse de cartes. Une famille incroyable, la famille Star Wars. Et voici Luna en elfe de la nuit de Wo. Et qui brûle aussi. Je crois qu'on va avoir une inspection surprise. Mesdames et messieurs, c'est un contrôle de police. On nous a signalé des contrevenants qui s'étaient mal garés dans le sein de la tentative. Nous allons procéder à leur mobilisation. Restez calmes et tout se passera bien. Sérieusement les gars, garez-vous bien. En tout cas, merci au sergent Carter et à l'agent spécial Constant Lina de tout assurer. Vous avez des PV? Ah ben maintenant, regardez là. T'as un PV qui t'est mal garé? Comment ça t'as pas de voiture, t'es mal garé, c'est tout. Alors, nous avons Nixteria qui interprète Merci d'Overwatch. Heroes never die. D'applaudissements pour Liliane, School Kid de Zelda. Nous avons Nadège qui interprète la Fée des Bois, Maïneril. J'ai bien dit. Maïneril. Coucou, chère fille, elle est nulle. Et voici Moi et Jean dans un couple de mages noirs, une démoniste
et un draconien. Parce que même si Manier n'est pas là, il est toujours aussi bien représenté, voici Fanny d'Aventure. Du coup, on a Shane Alex qui interprète Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue, chers amis, au Geek Ferry 2018. Alors là, il va falloir assumer. Nous avons les branquignoles, qui fait Mérida en steampunk, Coupinou et Yakiru. Nous avons Anilo qui fait Spider-Man. On sait que c'est ton chéri, tu peux y aller. Poursuis-le, poursuis-le. Nous avons Echo qui fait Corona de Flip Flap. Alors là, il me fait un groupe monstrueux. Je vais écorcher les noms. J'aurai aucune pitié. Comme d'hab. Exactement comme d'habitude. Donc nous avons les Tribal Stock. C'est ça ? Est-ce que vous conviendrez de Tribal Stock ? Ouais, c'est vrai ? J'ai raison ? Donc nous avons Galzi, Aragdia, Rose, Briska, Muline, Kanaya, Thérésie, Gérard, Rambo, Amelia. Non, c'est tout ? Ah, je suis allée trop loin, vite, désolée. Nous avons Maxime en Death Corp de Krieg Warhammer 40 000.
voici Gunter de Donjons et Dragons 2, édition numéro 2. Nous avons Seika Cosplay qui fait Alice au Pays des Merveilles. Et voici Harley Quinn. Voici Antoine et Benjamin d'Escorp de Krieg. J'ai bien dit, hein? Corentin et Mathilde qui interprètent Zed et Léona de League of Legends. Et voici Barry Craft qui interprète Bender l'alcoolique. Ouais. Il va remonter la marche, il réussit la marche. De l'autre côté, marche. Comme d'habitude, je vais ça devenir quelque chose d'assez classique. Pour le tout dernier concurrent, comme ça vous pouvez déjà vous tourner, comme ça vous pouvez mater les jolies petites fesses à Bender. Évidemment, là on vous demande blindé d'espace, blindé de tout. On va avoir super chaud. Évidemment, nous avons Sébastien Leroy en Warhammer 40 000 World of Girls. Comment ça, il n'y a pas assez de place sur scène? Mais bien sûr que si, il y aura assez de place.
si tu peux t'asseoir aussi fort. Rambo, tu fais un triple salto arrière devant. Comment ça, t'oses pas? T'es timide? Tu vas à l'extrême droite. Enfin, le plus à gauche. Oui, non, mais la gauche et la droite en fonction du son, c'est pas la même. Au fond, là-bas, là-bas. Écoutez, tu vois. Oula. Oula, oula, oula. Allez, on avance. Hop, on va au fond. Et comme ça, ben, Gérard, tu peux te mettre là. J'ai trollé absolument tout le monde aujourd'hui avec ça. J'ai appelé tout le monde Gérard. Tu peux te glisser juste là. Ah, le barbare trop mignon. Tu peux te mettre tout devant, allongé, comme ça, là, comme ça, votre... je suis mort. S'il te plaît, on te fait souvent d'amour. T'es mignon. Alors, ceux qui sont grands, est-ce que tu peux aller tout derrière? Est-ce qu'on peut se glisser ou pas? Pour les derniers casques là. Non, mais alors écoutez, je crois que ça va pas rentrer. Ça va juste pas rentrer. Ah, ceux qui peuvent, par exemple, hop là, ceux qui peuvent, ceux qui sont sur les strates là, si vous pouvez monter d'un cran parce qu'il y a encore de l'espace. Voilà. Si on peut juste faire un tout petit chemin d'une façon toujours, regarde. C'est pas mal, si tu peux te monter sur les strates, c'est cool. Hop, et ben voilà. Notre diaboloquin par le A. C'est sympa, il faut les ranger tellement il y en a maintenant. Voilà, tu peux te mettre sur le petit coin là. On a Alice ici. Oh, j'y suis prête, j'y suis prête. Arlequine, tu peux t'allonger à côté du barbare trop mignon. Comment je vais faire pour que tout rentre? Alors, Léonina. Vous savez quoi? Hop, Léon. Faites pas pipi dans le micro. Bender, ça va aller pour avancer? T'as pas trop soif? Et Bender, bah, du coup, t'es très bien sur le côté. Ah non, mais on va pas trop le faire s'avancer. C'est impeccable. Du coup, maintenant, nous, on va se mettre dans un coin. On va essayer de s'étaler pas trop mal. Comme ça, on va tous prendre des photos avec un hip-hip-hip. Hourra ! Hip-hip-hip ! Hip-hip-hip ! Encore une fois ? Ouais ! Hip-hip-hip ! Voilà. Donc... Merci, monsieur le policier, de ramener l'ordre. Donc, maintenant que vous avez bien fait toutes vos photos, c'est bon? Tout le monde est prêt? Tout le monde a fait sa photo? Qui n'a pas fait sa photo? Oula! Je vois une rangée d'appareils qui vient de se lever. Ouh! On est bien. On va pouvoir remettre quelques petits cadeaux. Deadpool, Payday. Donc, maintenant que j'ai bien casé tout le monde et qu'il n'y a absolument plus d'espace, on va pouvoir faire sauter Deadpool pour qu'il aille donner les prix à tout le monde. Avec des triples salto arrière en dansant, s'il te plaît. Ouais! Donc, on va commencer avec le premier prix. Qui est le prix couture qui revient à Sakura chasseuse de cartes. Je l'ai paumé avec vous. Voilà. Nous avons le prix espoir qui est pour moi mon petit coup de cœur de l'amour parce que j'espère qu'il y aura de grandes choses. J'ai du coup School Kid de Zelda. Merci beaucoup. Un petit lapin. Hop là. Le suivant. Ah, le prix coup de cœur. Enfin non, c'est le prix alcool qui revient à Bender. Et attends, c'est moi qui arrête pas de tortiller pour vous donner à tout le monde. Hop, allez. Comme ça, je vais arrêter de courir. C'est vraiment pour moi. Donc, qui a dit ça? Qui se dénonce? Qui veut bien dénoncer? Qui dénonce? Donc, on a un prix groupe pour la famille Star Wars. Pour le premier, enfin donc c'est une personne qui a fait pour la première fois son tout premier cosplay, il y a beaucoup de premiers dans cette phrase, qui m'a bluffé, c'est Sylvanas. C'est badass. Yeah. Sylvanas. Yeah. En fait, je vais pouvoir me faufiler comme une grosse garce. Hop là, on peut s'avancer. Comme ça, on va refaire une série de photos. L'ultime, tu fais série de photos? On est bon? 3, 2, 1, cheese! Et je vais laisser le petit mot de la fin, sans aucune forme de pitié, à Sébastien. Il faudrait te déshabiller avant quand même. Je le disais. Ah, faut s'écarter en plus. Émile, je peux pas poser du genou à terre, désolé, mais je peux demander à Malik. Thank you.
milieu de nous laisser un petit poil d'espace. Comme ça, on va laisser les cosplayers rentrer peinards chez eux et surtout avoir un peu moins chaud dans leur costume. Merci à tous. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir aussi nombreux aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié mes commentaires, mes fautes de frappe et mes fautes de prononciation. T'as pas aimé mon petit barbare trop mignon? Non. Voilà. Comme ça, pour ceux qui veulent défiler par devant, ils peuvent sortir par côté. On est bien. Voilà. Ah, s'ils veulent rester, ils restent. C'était mignon. C'est vrai que c'était mignon.